Non, bon, bon, ma danse en 3 a été annulée. Parce que je vais prendre les planeurs. La C'est pas danse, c'est grave. compliqué. Bon, c'est pas grave, je vais pas faire la danse, c'est compliqué parce qu'elle a été annulée par mon téléphone. Voilà, donc bonjour aux gens, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Fort City, pour le deuxième épisode, du coup avec Ono et Léo. Yo, enfin, punaise! Ah, c'est bon, ça fait que 5 jours! Oui, Ah, c'est c'est vrai, ça, bon. bref. Bon, bref. Donc, ben, dans cet épisode, je vais pas vous dire parce que je sais pas si je vais mettre le. Bah, si, au pire, je vais vous dire. En gros, il y a Genesis qui va découvrir le château de Midas. Voilà, je vous dis plus rien. Allez, allez, salut, allez, je spoil plus rien, allez, allez, Voilà. allez, allez, salut, Donc, allez, bon ok, visionnage, c'est allez, bon. salut. Donc, oui, c'est bon. Allez, et. Bon visionnage. Ta 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 Tu ta du du ta du 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 Ah, du du quelle du belle journée! Allô, Johnny, Ah, c'est quelle moi, je belle vous journée! prodige. Ah, attends, mais j'entends quelque chose. Bref, c'est pas grave. Ta Johnny, ta 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 ta. c'est moi, Ah! je vous prodige. J'allais mes écouteurs. Oui, allô, oui. Ah, je vous prodige, oui, t'es là. Non, t'inquiète pas, je t'écoutais. C'était juste un Johnny, prank, voilà, une blague. Oui, quelqu'un. Oui. Johnny, Qu'est-ce qu'il y a? je sais pas si je dois te le dire maintenant, mais T'as intérêt à me Midas le a un dire, sinon je château. te tue. Ah, ok, merci. Midas a un château Ok, merci. et là il lui manque un garde en fait parce que il devait avoir plein de gardes avec lui sauf qu'il lui manque un garde. Oh, je sais à quoi tu penses. Donc tu vas te déguiser en garde et tu vas faire croire que tu es nouveau, voilà. Tu vas faire croire que tu es nouveau et que c'était le supérieur qui l'a dit. Ah, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. J'ai Le prévu un supérieur qui a déguisement. dit. Et du coup là, attends. Je vais pas t'en dire plus parce que je pense que ça va en faire rappeler des souvenirs. Tu as intérêt à m'en Et dire tu dois plus, aller sinon je au te tout tue. dernier étage. Tu dois aller au tout dernier étage. Tu as intérêt à m'en dire plus, sinon je te tue. Oh là là, bon allez, là, j'ai pas le temps, j'ai une Bon, mission. Bip, allez, allez, je bip, prends. bip. Voilà, beau déguisement. Parfait comme déguisement. Non, là, je rigole par contre. Il ne faut pas abuser. Alors, cristal de glace, soldat ligne polaire, poiscaille polaire, Midas de glace, le dévoreur, écumeuse givrée, cristal de glace, banane polaire. Non, ils font pas garde. Non, ils font pas garde du tout. Spiderman, non. Spiderman, il est nul. Enfin, il fait pas garde, quoi. Oh! Lieutenant John Lama. Mais non, en fait, Oh là c'est là, pas c'est garde. bon là, il manque un garde. Vous savez où il est, Oh, Michel oh là? oui, ah, mais non, d'accord, donc vite, je me dépêche, je me dépêche, je me Il est où, dépêche. Michel là? Vous pouvez me le dire? Ah, Je je sais crois qu'il pas, est allé au Burger désolé. King. Il est allé au Burger King. Il est allé au Burger King? Oui. Déjà, moi je préfère McDo. À quel moment il a Burger King? Il est viré. Je sais pas, moi aussi, je préfère McDo. Allez, il est viré. Mais c'est pas grave, bon. Ce garde. Non, je déconne, il est pas viré. Il est pas viré. Chacun ses préférences. Bon, allez, on Ok, l'attend c'est bon, là. voilà. C'est bon, j'ai le garde, j'ai le sac à Ah. dos, j'ai le planeur, j'ai Au tout. fait, C'est parti, vous. go. Au fait, est-ce que le supérieur il a recruté des nouveaux pers des nouvelles personnes? Non? Oui, vas-y. Je le protège. Je le Quoi? protège. Ok, c'est bon, j'ai pris mon déguisement de garde. Ma petite fleur, ma petite pioche de glace et mon petit planeur de glace. Je suis prêt, je suis paré. Château du roi Vas-y, Midas, nous vas-y, go, voilà. go, go. Est-ce que ça va lancer le jeu? Non, ça va pas lancer le jeu. Lance pas le Yeah! jeu. Allez, vas-y. Je peux voler? Bon, moi, j'ai pas le temps, j'ai une mission là. Allez, à Ok, toute. vas-y, à jamais. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Aïe! C'était pas la saison normalement, le trône de Midas. Bon, bref, je dois aller au tout dernier étage. Oh, des images de cubes. Alors, qu'est-ce que nous avons au Punaise premier là! étage? Il est où Michel? Oh, punaise, non, vite, bon, je me dépêche. Alors, donc, du Hey, coup. s'il vient pas dans 2 minutes, s'il vient pas dans 2 minutes, je vais commencer là, c'est pas possible. Donc là, il y a un cube qui a marqué cube raté de Midas. Bref, on s'en fiche. Un vaisseau alien. Je sais pas, peut-être que c'est un alien. Oh,
Tintin, il vient des Illuminati, peut-être. Punaise, alors, je regarde trop de films d'horreur. Alors, Cube réussit 2000 sans s'inspirer. Alors quoi? Pardon. Ah ouais, d'accord, il veut tuer les cubes, mais maintenant il crée des cubes. Ah ouais, d'accord, lui il est chelou. Il y a un roman des Illuminati. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, un coffre-fort! Faut que je l'ouvre. Attends, je vais prendre les planeurs. Voilà. Vite. Bon, bref, allez, je vais au dernier étage. Enfin, je vais. Sur le toit. Voilà. Il t'a fait 3. Et encore. Ah oui, désolé, oui, je suis là. T'es qui, toi? T'es pas Michel? Ah si, je suis Michel, mais j'ai changé de. De costume, voilà, de costume. Bon, sérieusement, t'es un nouveau? Ah, mais oui, c'est bon, je rigolais. J'étais... Ah, mais justement, j'étais avec Michel au Burger King, voilà, au Burger King. Qu'est-ce qu'il fait au Burger King? Il s'est commandé... Vous avez la chance, les gardes, hein. Vous avez eu raison. Tunisie, comment t'as fait pour deviner qu'il était au Burger King? Je sais pas en fait. Oh, est-ce que j'ai un super pouvoir? Bref, t'es un nouveau, c'est le supérieur qui t'a recruté. Quel supérieur? Ah oui, c'est le supérieur qui m'a recruté. Ben voilà, il fallait le dire. Donc, tout le monde est là, à part Michel, c'est pas grave. Allez, Michel, il est viré. Ah oui, Michel, donc... Il s'est étouffé, il est mort. D'accord. Donc, je vous présente... Qu'est-ce qu'il y a? Le robot méca. Waouh! Attends quoi? Pardon. Le robot méca a été créé dans le passé par moi et Johnny, bien évidemment. Sauf que là, le robot méca a été reconstruit par moi et tous les mécaniques ont été reconstruits par moi. Et ouais. Ce robot méca a plus de technologie et de puissance que la dernière fois. Heureusement, parce que sinon, ça serait un peu débile, quoi, de refaire un robot mais qu'il a la même puissance. Chef prodige. Quoi? C'était prévu ça ou pas? Oui, c'était prévu, justement. Ah. Je voulais pas t'en dire plus. Ce robot-là a été amélioré et maintenant ce robot méca est plus puissant que jamais. Bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je sais pas quoi dire en même temps. La puissance du cube, il a été amélioré par la puissance du cube qu'on avait créé. Le nouveau, il sait pas qu'on a créé un cube. Bref. Mais en fait, j'ai un peu visité tous les étages. Hein. Il y avait marqué cube créé par Windows, des trucs comme ça. Donc voilà quoi. Donc voilà. Et aussi grâce... Attends, c'était grâce à qui? Grâce à toi. Comment tu t'appelles déjà? Bernard. Bernard? Oui, Bernard de quoi? Bernard Ducordier. Ah d'accord, Bernard Ducordier, ouais. Donc grâce à Bernard Ducordier, on a pu récupérer quelques puissances du point zéro. Quoi, pardon? Du point zéro, et c'est qui a amélioré notre petit robot méca. Et toi, tu t'appelles comment? Jean Tico. Ok. Alors, en fait, moi, je m'appelle... Dionysie, appelle-toi Gilbert. Voilà. Je m'appelle Gilbert, et tu peux me dire qu'est-ce qu'il a prévu, Mitask, en plein? Wesh, il a prévu de détruire la Terre. Attends, quoi? Non, c'est une blague. Je vais pas t'en dire plus. Et donc avec ce robot-là, j'en décide d'en finir avec le roi du cube et la reine du cube pour une fois pour toutes. Comment il s'appelle déjà? Jean Sico, du coup, tu peux m'en dire plus? Non, et normalement le séparateur t'aurait prévenu. Oui, ah mais non, c'est vrai, je sais. Je vais me faire cramer.
Non, c'est qui a tiré sa chasse là? Jean Prune du 66. C'est toi qui as tiré la chasse? Ok, c'est bon. Bon, bref, là, on arrête les bêtises. Donc, bref, je... Oui, chut. Allez, merci. Allez. Donc, comment dire? Ce robot méca, à tout moment, peut être amélioré en... Il y a un problème. Je sais pas. Bon, toi, tu la fermes et tu écoutes les autres. Je disais que même pas une seule erreur peut faire tout exploser. Okay. En cas d'une seule erreur de construction. Je vous aurais prévenu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Fin de la réunion. Vous pouvez tous partir. Allez, salut. Ok. Quoi, vous voulez rester ici? Ben, restez ici, alors. Ah oui, vas-y. J'en sais quoi? Je vais espionner au gars. Au revoir, j'en sais quoi? Ah, c'est quoi ça? Oh, Gigi, et tout, sans ma permission! C'est qui a utilisé ma tourelle sans permission? C'est Gilbert, mais toi tu la fermes. C'est qui? C'est Michel. C'est toi, Jackie Lemou? Je savais que c'était toi, t'es viré. Allez, salut. Jackie Lemou. Mais monsieur, pourquoi vous l'avez fait disparaître? Vous l'avez fait disparaître où? Dans une autre planète. C'est comme une maladie. Bon, j'en dis quoi? T'as eu la chance. La prochaine fois, je te tue. Ah, non, c'est quoi ça? Ah! Non, c'est pas moi qui utilise les canons. C'est qui utilise les canons sans ma permission? Oh, vous allez me le dire, voilà. Hein? Monsieur, c'est Jean-Cico. Quoi? Jean-Cico, là? Oui, Jean-Cico du 35. Jean-Cico, tu sais quoi? T'es viré. Allez, salut. Vous l'avez fait téléporter où? Dans une autre galaxie. Attends, quoi? Ok, d'accord, là c'était plus cruel que la dernière fois, mais bon, tant pis. Bon. Ok. Alors, on en est à où de ce vaisseau? Toujours pas été fini? Non. Dis donc. Et après, je vous récompense parce que vous avez fait du bon travail. Non, mais sérieusement. Oh. Oh, punaise. Au fait. Ok, je pense qu'il est terminé. Faut pas crier trop fort. C'est incroyable. Avec ça, je pourrais transporter la reine du cube jusqu'ici et la kidnapper. Parfait. Quoi? Nickel. Tous les commandements sont parfaits. Et oula. La reine du cube sera kidnappée et sera condamnée à mort. Jasprenise. Quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire là? En fait, là, avec le vaisseau, il y a un truc, tu vois, pour prendre des gens, tu vois, genre, grâce au... tu m'as compris, quoi, comme dans les soucoupes. Ouais. Mais du coup, avec ça, il va prendre la reine du cube, la kidnapper, la mettre, je sais pas où, là, par contre, attends. Dans le coffre-fort. Et Midas va la laisser dans le coffre-fort jusqu'à qu'elle respire plus du tout et qu'elle meure. C'est cruel, mais hein? Il est complètement malade. Je sais que la reine du cube, elle a fait des catastrophes, mais ça, c'est vraiment horrible. Ouais. En fait, il n'y a pas à faire ça. Mais attends, c'est pas fini.
parce que avec le vaisseau, il va aussi essayer de détruire le roi du cube. Et vu que le vaisseau est fait entièrement de la puissance du cube en or, en vrai, il y a moyen qu'il le détruit. Ah. Donc, ouais. Alors, et t'as de la chance encore, parce que ce vaisseau n'est pas capable de détruire Fort City. Encore, on a de la chance. Ah, donc, ouais. Ouais. Non, c'est pas ici où il y a le cube. Putain, je m'en rappelle plus de ce château. Et voilà. Faut faire attention, faut pas toucher ce cube. C'est très dangereux. Si on touche ce cube, on risque de mourir. Bon, attends, moi je vais... Mais je pense qu'on l'a tellement bien optimisé aussi. Quand ce cube... Ce cube... j'hésite à le mettre dans Fort City. Oula, oula, il s'est passé quoi? Ok, j'ai dû rêver. Bon, alors... Oh non, non, non! Mais il se passe quoi? Non, là, vraiment, ok, ils sont en haut, ils sont en haut. C'est des gens, ils m'attaquent de en haut. Ok, alors, qui je vais virer? Qui je vais virer? Désolé, alors... monsieur, j'étais allé aux toilettes, désolé. Oui, donc, apparemment, c'est... comment tu t'appelles? Jackie, je m'appelle. Non, Jackie, lui, il a été téléporté. Ah oui, c'est vrai. Moi, je m'appelle. Attends, je m'appelle Canada, voilà. Ah, c'est Canada, monsieur, je l'ai vu, c'est vrai. Canada, t'es sérieux là? Allez, t'es viré. Hop, t'es porté dans un autre univers. Ça, c'est parfait. Oui, c'est complètement malade. Bon, je crois que je vais devoir partir. Mais. Et j'espère qu'il va pas me repérer pendant que je vais partir. J'hésite à mettre ce cube dans Fort City. Non, parce qu'après Johnny va le toucher, il va probablement crever. T'as dit quoi là? Attends, t'as dit quoi là par contre? Il s'est passé quoi là? Je sais pas. Oh putain, c'est le prochain qui m'attaque. Oh. Allez-y, cours, punaise! Il y a de la puissance qui se lit. Qui a osé me toucher? Ok, je sais... C'est ce dont encore qui je vire, alors? Virer... Vous êtes quand même malade, monsieur... Virer... Et virer... Qu'est-ce qui fait que c'est moche là? Oh non, mais sérieusement. Malade. Il m'a fait pas. Bon, allez. Non. Vite, je cours. D'ailleurs, j'ai pas vu comment y ressemblait la ville. Je vais aller voir. Et ça fait bim bam boum. Bref, téléportation. Alors, la ville, comment il est? Où il est la ville? La ville. Ah tiens, je crois qu'elle est là-bas. Ville chapitre 5. Oh nickel ça. Mais non, Johnny, c'était bête. Qu'est-ce qu'il y a? Imagine Midas, il te repère. Mais là, t'es dans la tenue de garde, non? Vite, change-toi. Mais je peux pas me changer dans la ville. Retourne à l'accueil, tu vas ou je sais pas quoi là, et tu te changes vite. Mes vêtements sont collés. Non, t'as pas fait ça quand même. Tout à l'heure, je jouais avec la glu tout à l'heure. Mais non. Et du coup, ils sont tout collés. Donc je peux pas les enlever. Oh, t'es en punaise. Ouais. Y a pas l'entreprise qui a une... Ah, je pensais moi qu'il allait avoir un stage 6.
Mais je pense que ça arrivera, je sais pas. Bon, allez. Bon, moi, je dois revenir au château. Ok, je suis ou pas, joueuse de... Comment ça s'appelle? Non, je suis pas. Non, je suis pas, c'est trop risqué. Parce qu'après, il va te soupçonner et tout, il va peut-être te virer, te téléporter dans une autre galaxie. Trop tard, joueuse de foot. Quoi? T'as pas fait ça? Oui, je t'appelle joueuse de foot. Je t'appelle joueuse de foot. Bon, bref, moi, je vais enlever mes vêtements. Ah. J'ai eu peur. Je suis venue tout droit aller le chercher. Vite. Corbeau. En quoi je pourrais me déguiser? Je te cherche. Tunisie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal qu'il y ait un mec qui vient de Fort Game et qui est dans Fort City, là? Mais non. Regarde-moi. Je rigole pas, il vient de Fort City. Il vient de Fort Game, je veux dire. De Fort Game, pardon. Mais regarde-moi mon déguisement de banane. Ah ouais, il est bien. Corbeau. What? Attends, je vois. Attends, tu vois mes cornes? Attends, pousse. Tu vois mes cornes? Non. Parce que moi, je les vois pas. Non. Mais c'est pas grave. Non, mais vraiment. Attends. Je prends ces... Attends, tu vois pas mes cornes? Mais moi, je les vois pas. Mais il y a un bug. Je vois pas mes cornes. C'est pas grave. Et toi, tu les vois au moins? Non, mais c'est pas grave. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon. Tu les vois pas? Mais c'est pas grave. Après, on s'en fout des cornes. Je vais les mettre plus tard. Bam. Mes cornes, ils ont disparu encore. Punaise, ça gâche toute ma crédibilité. Maintenant, je vais me faire... Maintenant, on va me passer pour un chantier alors que je suis... Bonjour, monsieur. Ah, vous venez des gentils. Alors, venez, je vais vous montrer. Alors, venez avec moi. Je suis pas gentil, je suis méchant. Et je suis venu tout droit de Fort Game pour chercher Corbeau. Non, mais sérieusement, j'adore, quoi. Vous voulez chercher Corbeau? Mais pourquoi Corbeau? Quoi, Corbeau? Tu vois pas que je suis une ombre? Tu vois pas que je suis une ombre? T'es biglé ou quoi? J'ai pas mes cornes, mais si j'ai mes cornes, tu pouvais voir que j'étais un ombre. Mais pourquoi Corbeau? Parce que Corbeau, lui aussi, c'est une ombre. Je veux pas en dire plus. Alors maintenant... Mes parents, ils vont jamais s'habiller avec toi, parce que toi, t'es trop... Lui aussi. J'ai trop pas moche. Dit que je voulais m'allier. Parce que vous deux, vous êtes tous les deux moches, donc dans tous les cas, c'est impossible que vous alliez. Dis-moi où il est, ce corbeau. Alors, il est actuellement dans Fort Cinéma. Dis-moi où il est. Il est dans Fort Cinéma. Ce corbeau. Dis-moi où il est, ce corbeau. Non, d'accord, c'est bon. Non, il est dans Fort Cinéma. Mais il est vraiment allé dans le cinéma. Dis-moi où il est. Mais il est dans... Ok, il est... Attends, je regarde. Il est actuellement dans Fort Cinéma au Daily Bugle. Mais je te dis... J'espère que j'aurai mes cornes là-bas. Vas-y. Oh, comment je l'ai trop bien menti. Dan. À suivre.